Bonjour chers tous, alors mesdames et messieurs de la presse, en marge de la journée d'aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé. Il y aura d'abord, on va commencer pour un premier temps avec le communiqué du président. Et en deuxième lieu, nous allons faire, il y aura un communiqué de la situation de marche d'aujourd'hui. Déclaration du 24 avril 2021. 1. Depuis plus de 25 ans maintenant, notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à partir de ses provinces de l'Est à une guerre injuste, une guerre d'agression. 2. Il en résulte que la population est pratiquement livré au service des armées rwandaises, burundaises, ougandaises et des milices obscures. Ces groupes exécutent des massacres odieux qui constituent ni plus ni moins un génocide du peuple congolais. Et ce, sous le silence de la communauté internationale. L'ampleur des tueries récurrentes et en masse des populations civiles congolaises est la preuve de l'inefficacité des institutions illégitimes en place et révèle le degré d'infiltration d'une armée incapable de contrer le projet funeste de balkanisation de notre pays. C'est pourquoi nous avons invité tous les Congolais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, en passant par le Centre, à une mobilisation tous azimuts, afin de dresser le mur de la résistance contre toute forme d'asservissement, contre tous les génocidaires et contre les occupants, de manière à mettre définitivement fin à ces massacres. Mais c'était sans compter avec les ennemis de notre peuple, qui ont non seulement érigé des obstacles à la tenue de cette marche à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, mais qui ont aussi cyniquement instruit la police, qui l'a sauvagement réprimée à Kinshasa particulièrement.
Comment peut-on comprendre que des Congolais sont massacrés dans la partie est de notre pays, que d'autres Congolais se lèvent pour dénoncer ces massacres, mais que vous puissiez encore trouver d'autres Congolais qui refusent toute manifestation de solidarité et répriment violemment les manifestants. Il n'y a pas meilleure preuve de complicité et de non-assistance à un peuple en danger. En attendant l'évaluation complète de la marche de ce jour, nous tenons à remercier tous les Congolais qui se sont mobilisés et ont marché dans plusieurs villes du pays pour affirmer haut et fort il n'y a pas de Congo sans le Kivu. Il n'y a pas de Congo sans le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri ou le Tanganyika. Ainsi nous disons oui à l'unité du Congo, oui à l'exhumation du rapport Mapping pour rendre justice aux Congolais, oui au départ des armées étrangères de notre pays, oui à l'audit de l'armée congolaise. Mais non, non au génocide du peuple congolais, non à la balkanisation de notre pays et non à l'instrumentalisation des tribus congolaises. La mobilisation générale du peuple congolais ne connaîtra de répit qu'à la victoire finale, à savoir la libération de notre peuple. Et la RDC, la République démocratique du Congo, sera toujours unie et restera indivisible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. Mwalimu. Là, nous allons passer au deuxième temps de ces points de presse. La lecture de la communication de la société civile. Déclaration de la société civile. Nous, membres des organisations de la société civile de la RDC à Kinshasa et à travers le pays, nous fondons sur l'article 63 de notre Constitution qui dispose que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Appuyé par les articles 1er et 16 de la même Constitution qui consacrent respectivement la liberté et l'égalité de tous les êtres humains à dignité et à droit, ainsi que la sacralité de la vie humaine que l'État a l'obligation de protéger, les droits à la vie et à l'intégrité physique, à la prohibition d'être soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Conscient d'une société civile responsable, sous peine de complicité, ne saurait rester muette ou inactive face à un génocide congolaise et congolais de tous âges qui n'a que trop duré, mais dont personne ne parle dans les salons du monde, les chancelleries ou à l'ONU. Attendu que ce n'est plus le moment de rester inactif pendant que des familles entières sont décimées au sud Kivu, au nord Kivu, à Nitou et au Tanganyika.
Nous dénonçons devant la communauté nationale et internationale la passivité des Nations Unies et des institutions de la République. Nous saisissons l'occasion pour rappeler à l'humanité entière qu'aucune urgence ne saurait se superposer à celle d'en finir avec la hache dévastatrice des humains dans la partie est de notre pays et d'en punir les auteurs. À chaque instant que nous voulons, que nous voyons des images de nos compatriotes sans défense, à l'abattoir dans leur propre pays, nous nous posons la question suivante. Où est la conscience humaine face à ces ignominies affreuses? Ainsi, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tel que consacré dans la Charte des Nations Unies et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, nous exigeons ce qui suit. L'implication immédiate du Conseil de sécurité des Nations Unies pour trouver une solution au génocide du peuple congolais. 2. L'expulsion immédiate de toutes les troupes armées étrangères et toute représentation des armées étrangères sur le sol congolais. 3. L'audit des forces armées de la République démocratique du Congo afin d'assainir et exfiltrer les ennemis du peuple congolais. 4. Annonçons notre prochain chapitre au palais du peuple où nous resterons jour et nuit jusqu'à ce que nous trouvons satisfaction à nos préoccupations et que la paix et la sécurité reviennent dans la partie est et nord du pays. Le sang des Congolais crée justice. Fête à Kinshasa, le 24 avril 2021. Signé le comité collectif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons entamer la dernière partie de ces points de presse, c'est-à-dire un petit jeu des questions et réponses, tour à tour. Enfin, quand vous prenez le micro pour pouvoir poser votre question, vous spécifiez et restons le plus possible dans le cadre de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je m'en vais donner le micro au président et éventuellement, on va commencer à choisir les gens en fonction de ce qui lève leur main. Avant de poser, s'il vous plaît là-bas, avant de poser votre question, vous donnez votre nom et l'organisez. Merci beaucoup. Bon. Alors, nous allons commencer, on va juste un tout petit peu élever notre voix. Ok. Nassima Kouna, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par qui? Qui a une question? Si on avance vite. Bon, madame. Joël Kombe, Pika Télévision. J'aimerais savoir, Président, à quand la prochaine marche, parce que celle-là, aujourd'hui, a été décidée. Et aussi, une deuxième, c'est en rapport avec ce que nous mettons en bande blanche. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de nos frères qui sont meurtris, qui sont massacrés, tués chaque jour. Pourquoi pas, Balobi, que moi, on a découvert Basali Kosinga, pourquoi pas, ils ont la dame sur les autres pour signifier les sons de Bandego Nabiso Basali Kosinga chaque jour. Une deuxième question, comme ça on prend deux, deux et on avance, madame. Merci pour la parole. Nous avons les amis bongo conseillers de la presse congolaise, il y a jeune. Je suis un président de la République démocratique du Congo.
nako livrer biso na tango otro baki te maponami e salama yake ikoloba avec ou sans atindi biso to kende pa ndonge tumbate kasi andimi atete ko lo Congo nako botola ndeko na ye oza kongole maponami president sikoyo est ce que photo ko bakaka lolenge oyo na police ya bangune ya occupant batindi kaka biso ko bete biso ko tindi kabila pe bakonzela biso pe to ko kunde tumba ba ko kanga tope ezaye na méthode mususu ko to sala ke partout o bango bazali to bebi sakaka mbala moko ete ngolongo bo bimba banga pe république démocratique du Congo pa mate to ali ata ko na bimemi ate pe boto cité lokola ele tumba ba valeur ya ngona ko senga na bino lokola peuple congolais journaliste engagé bo pesa biso pe moi mais si ka to le kala photo sur le sel Cameroun matin de nuit. OK. Merci Mingi Mama, Océan, Catherine Kito, Océan, Presse Congolaise. Je me dis que tout le monde a combattu ça sous le côté de la Boulouba. Pour le Mingi, pour le Vite, ici et là. On a commenté Kaka, on a dit Boulouba, en disant que. Il y a un petit logo. Ils sont tous allés pour venir à la Congolais, tous allés le logo pour défendre le mot cannabis. Tous les là, bande de corruption, on va profiter de l'Est, de la Nord, il y a un mot cannabis. Il y a un autre pays, ils sont un autre pays, ça va Congolais. On a eu une déclaration, il y a président, mais on a eu un autre pays. Il y a un autre pays, il y a tous les là, bande de corruption. Tozala elongo, boto la kisa mokili mobima, ki tozali, bana tata moko, mama moko, ekolo moko, beto la kisa ke to, tomitika bo moko te. Tozali, ekolo moko, tozala pasi, eke to sengi mboka ite ne boso loko la, pe la seza kufa mwotu ya ko, bate la yango azali te, oye ekolo baki tozana le kate. Il y a eu un son qui a dit que il y a Azali pour représenter l'État. L'État a dit qu'il est faible pour que les gens ne soient pas en légitimité. Il y a eu que les gens qui ont été symptomatiques, ils ont signé pour que les gens puissent chasser et pas pour poser les gens qui ont pouvoir central, légitimité, ils ont été par la maturité pour passer de sa campagne. Il y a un peu de la Yeso, il y a un peu de la Yeso, il y a un peu de la Yeso. Il y a un peu de la Yeso, il y a un peu de la Yeso. Il y a un commentaire sur ce sujet, il y a un peu de la Yeso, il y a un peu de la Yeso. Il y a un peu de la Yeso, il y a un peu de la Yeso. Le président élu à la Tinaba, le Congolais, il y a un peu de la Yeso. Parce que quand on est tout pimpé, ils ont dit que les bonbons, les mots, 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 les mots. Juste une chose pour Madame Joëlle Combé. Vous dites si à quand la prochaine marche. Nous avons dit dans les communiqués. La société civile a dit aussi dans son communiqué. Notre détermination est grande, elle est intacte. Nous ne pourrons pas baisser le bras. Nous ne pourrons pas baisser la tête pendant qu'on tue nos frères et sœurs. Pendant qu'on tue les nôtres, pendant qu'il y a des gens qui se sont organisés pour balkaniser les Congos, pendant qu'il y a des gens qui se sont organisés pour faire fuir les Congolais de leur terre. Donc la mobilisation continue. On continuera jusqu'à la victoire finale. Merci. Ok, merci bien. Maintenant, nous sommes tous en politique d'ailleurs. Oui, merci beaucoup, monsieur le président, la parole. Aimé Cyprien, de RTVS 1. Dans les communiqués, la Moukafé Région a un audit de l'armée. Effectivement, l'une des causes, si pas la principale, de violence dans l'Est, c'est parce que l'armée est devenue un clan d'affairistes. Qui fera l'audit de l'armée? C'est la question. Merci.
prends une deuxième. Merci de passer. Je vais quitter ta collègue de 7 sur cette procédée. J'ai deux petites questions par rapport à la marche. Elle a été réprimée et nous voulons savoir, parce qu'elle est organisée sur l'ensemble du territoire national, est-ce qu'on peut à ce stade avoir un bilan général par rapport à tout ce qui a été fait durant cette journée? Et la seconde question, c'est vrai que la marche a été réprimée, mais vous aviez un objectif en organisant cette manifestation. Est-ce que vous pensez qu'au regard de ce qui s'est passé aujourd'hui, vous allez quand même atteindre votre objectif aujourd'hui à travers cette marche? Merci, c'est une très bonne question. La marche a été réprimée très sévèrement de la part des ennemis du peuple. C'est nous qui organisons en tant que la Mouka, mais cette marche n'est pas la nôtre, ou elle n'est pas que la nôtre. C'est une marche de tout un peuple. Avant la marche, vous avez senti l'écho en tant que journaliste dans le peuple. Tout le monde y arrive. Et le pouvoir a pris peur. En fait, il a pris peur au point de nous menacer physiquement. En réalité, ce n'est pas nous qui devons être la cible. La cible, c'est le peuple lui-même, parce qu'ils ont affaire au peuple et non pas à nous qui ne sommes que les porte-étendards de cette lutte-là. Pour nous, la marche a même pas été un grand succès, parce que le peuple a répondu présent. D'ailleurs, à Kinshasa, vous avez vu, et moi, je venais de l'Est, et le président, il venait de l'Ouest, souvent je me trompe, de l'Ouest, oui, ou du Sud. Et déjà, nous, de l'Est, nous attendions. Le temps que lui-même arrive avec d'autres foules qui l'accompagnaient, nous avons, nous, pour ce qui nous concerne, nous qui venions de l'Est, fait plus ou moins un kilomètre ou un peu moins, vous regarderez dans les images. Ce qui montrait que dans les 30 minutes du suivant, que Kinshasa allait prendre feu, ils ont paniqué et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Alors, en termes de résultats, oui, les résultats sont là parce qu'en fait, l'expression populaire, qui s'est manifesté à travers ce qui est à travers le pays, se sont rendus au lieu des manifestations, montre bien que le peuple est d'accord à l'idée qu'il doit se libérer, il doit s'auto-déterminer. Pour nous, ce n'est qu'une étape. Ce qui peut apparaître comme un échec, en fait, est un succès en termes d'évolution. La prochaine fois, et la prochaine fois, comme disent les hommes de gauche, ils disent que à émanciper un peuple, c'est chauffer l'océan. Ça peut aller lentement, mais au moins c'est sûr. Ces messieurs doivent savoir que ce que nous demandons pour sortir le pays de cette situation, c'est des bonnes élections qui passent par des bonnes réformes consensuelles. Ils en ont peur, alors le peuple a dit et dira toujours qu'il va les faire partir, soit par les urnes, soit par la rue. Nous ne souhaitons pas que ce soit par les armes. Mais il ne faut rien exclure à eux de choisir de quelle manière ils veulent partir. Rapidement votre question. Oui, vous dites dans les communiqués, il faut procéder à un audit de l'armée. Oui. Qui fera l'audit de l'armée? Je vais revenir. Mais je vais répondre sur le succès de la marche. La marche a un grand succès. Tout le monde. Les frères aujourd'hui. Partout à l'Est de la République, les gens savent que les Congolaises et les Congolais savent que tout le pays est solidaire. Mais le problème, c'est que c'est les autres, honte à eux, parce que nous avons introduit le document ici à Kinshasa, la lettre, pour informer l'autorité urbaine. Le samedi 17, une semaine après. Et la loi est claire. 78 heures après, si vous n'avez pas de réponse, la réponse qui dit que nous avons pris acte ou nous n'avons pas pris acte parce que, voilà, est-ce que vous pouvez venir pour qu'on reporte la manifestation pour une nouvelle date? Ce n'est pas une autorisation. Okay? Ils n'ont pas fait. Mais c'est seulement hier, après 18 heures, qu'on voit dans les réseaux sociaux. Hier, le 23, une lettre qu'ils ont prétendue que c'était un fait. Une lettre qui dit qu'on ne peut pas prendre acte avec des arguments fallacieux. Mais nous ne sommes pas restés là parce que nous respectons la loi. Nous avons appelé. Nous avons appelé. Il y a un intermédiaire qui est dans le sillage du gouverneur de la ville qui nous a dit que non, le gouverneur.
Wagner a dit qu'il n'a pas signé une lettre pour interdire la marche. Faites votre marche. Et le gouverneur m'assure, les médias de vous assurer qu'il enverrait des policiers pour encadrer la manifestation. Nous avons eu des assurances. Et la personne m'a appelé deux fois sur ça. Il a rappelé pour dire que le gouverneur dit comment ça se passe, quel est le point de chute. Écoutez, n'ayez pas peur, faites votre manifestation. Donc ça veut dire que M. Ngokila, ce qu'il a fait là, il ne mérite aucun respect. C'est un aventurier de premier ordre. Comment on peut diriger une ville comme ça? Pendant que les gens meurent, pendant que les citoyens congolais, les filles et les fils de ces pays meurent, sont tués par des gens que certaines d'autres connaissent. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils connaissaient les gens qui tuaient les Congolaises et les Congolais. Mais pourquoi on ne montre pas ces gens? Pourquoi on ne pointe pas des doigts à ces gens? Et ici, à Kinshasa, les gens sont tranquilles pour respecter les ordres de je ne sais qui. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer. Pour l'audit, mais vous avez suivi les communiqués. Et vous entendez partout. Et même vous entendez certains de nos militaires se plaindre, eux-mêmes militaires congolais. On vous dit aujourd'hui que tous les militaires qui ont été pris en flagrant délit, dans les exactions, que ce soit dans l'affaire Kamona Sabou ou dans les autres, tous ces militaires-là se retrouvent à l'est de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui de ces militaires est réellement congolais? Qui ne l'est pas? Qui dirige les commandements militaires dans ces zones-là? Ils sont qui exactement? Tantôt, on nous dit que non, on a vu les militaires du camp ennemi s'habiller avec la tenue de FRDC. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, il faudrait une organisation compétente. Quand il s'agit de l'audit, c'est une organisation compétente qui va venir pour savoir qui est qui. Donc, nous pourrons participer à l'élaboration des termes de référence, mais il est temps qu'on puisse extirper de notre armée les éléments nocifs. Merci. Ok. Merci. Je crois que nous allons pouvoir nous arrêter là. Si ce n'est. Monsieur, oui, c'est une question? Vous êtes journaliste? Militant. C'est une conférence, c'est un point de presse. Donc nous remercions le Présidium. Nous allons peut-être un petit peu bouger pour laisser la place.